Moi, c'est Chakamadou Tidjan, agent technique d'élevage à Yarak Tefes. On est là depuis 82. Donc, on a quelques vaches et puis quelques moutons. On essaie de faire des croisements à notre façon pour les adapter au climat ici au Sénégal. Bon, je fais partie des premières personnes qui ont amené les moutons balibali ici au Sénégal. Avant, on était au niveau de la gare. Après, j'avais installé des places au niveau de la Padoie. Ça, c'était en quelle année? Bon, c'était dans les années 83, hein, 83, 84. Et après, bon, on a eu le soutien du feu Badralo, qui nous a beaucoup soutenus pour nous. Ouais, on était des amis. Et même venir ici à Yarak, c'est grâce à lui que je me suis retrouvé ici à Yarak, à côté de lui. Donc depuis 82-83, vous êtes dans l'élevage au Sénégal? On est dans l'élevage ici au Sénégal. Comment vous appréciez cette activité? Bon, ça va dans l'ensemble. Bon, peut-être il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de choses à faire. Bon, surtout au niveau de l'aide. Parce que l'alimentation, ça coûte excessivement cher, excessivement cher. Bon, il suffit d'organiser le système de l'alimentation pour que le Sénégal même peut fournir aujourd'hui le Mali. Ça, j'en suis sûr. Oui, parce qu'on a la possibilité de le faire. Ouais. Chez vous, il y a beaucoup de sujets. Ouais. C'est de quelle race? Bon, il y a des Goudali. Et comme on le dit, il y a des Boudroji. Bon, il y a plusieurs races au Mali. Il y a plusieurs. Du Mali, oui. Du Mali, à Gawo, Beneka, jusqu'à la frontière du Niger. Oui. Comment vous avez débuté l'élevage? Apparemment, c'est en voyage. On voit nettement que ce n'est pas un travail de 10 ou 3 jours. Bon, j'ai un beau-frère qui j'étais avec lui en Côte d'Ivoire. Bon, c'est lui qui m'a encouragé de rentrer au Sénégal pour faire de l'élevage parce qu'il m'avait vu faire certaines choses là-bas et qu'on avait besoin de ça ici au Sénégal. Et il ne voyait pas quelqu'un qui le faisait. Donc, quand je suis venu, bon, j'ai eu la chance d'avoir l'encadrement des agents de Dr Touré, Sopela. Donc j'ai été à côté d'eux pour comprendre d'abord ce qui se passe au niveau d'ici, que ce soit un problème de médicaments ou bien un problème d'élevage d'abord, avant de me lancer dedans. Donc j'ai eu cette chance-là. Oui. Et vous avez demandé avec combien de sujets? Bon, moi j'ai démarré avec 13 sujets, 13 vaches. Finalement, différentes races ou d'une seule? Différentes races. Parce que j'avais amené 13 vaches du Tchad. Et sous plusieurs races aussi. Et quand j'ai amené ces vaches-là, j'avais payé des importeurs avec le feu Tanor Dieng, qui était. Son parc était à Lakouros. Donc j'avais payé un couple de Montbéliard avec Tanor. Et puis un couple de Dolchitain aussi avec Tanor. Donc c'est avec ces animaux-là que j'ai métissé mes animaux pour avoir ces résultats-là jusqu'aujourd'hui. Oui. 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 Mais la base, ça vient de Tanor. Oui. Et Tanor et le Tchad. Donc c'est pourquoi vous voyez plusieurs races. Donc ça, vous avez l'idée que bon, c'est des Dolchitains purs ou bien c'est des Montbéliards, ainsi de suite. Mais c'est des croisements. Ils ont plusieurs sangs. Bon, s'il y a une bonne alimentation, au minimum par vache, on a 20 à 25 litres par jour. Oui. 20 à 25 litres par jour. Les gens qui me connaissent, ils peuvent vous le dire, la même chose. Oui. Bon, moi j'ai formé ici, Pour ne pas exagérer, j'ai formé au moins 100 jeunes ici. Il y en a qui sont en Espagne aujourd'hui, qui sont dans des fermes, qui sont responsabilisés dans des fermes là-bas. Tanor Dieng m'avait dit que tous ces vaches sont venus et grandis ici. Oui. Et leur maman, leur grand-mère. Parce que moi, je ne fais pas d'insémination. Vous voyez les veaux là qui sont ici. Voilà leur papa. Leur papa et la maman et sont des... C'est le même sang qui est là. C'est le même sang. Bon, peut-être on change de génitaire de temps en temps. Par exemple, vous voyez, il y a un jeune mâle ici. Il y a deux jeunes mâles ici, il y a d'autres jeunes mâles là-bas. Donc, regarde, le mâle dont sa maman produit beaucoup de lait, en général, c'est ce qu'on utilise comme génitaire. Ah. Bien un appui de l'État. Est-ce que vous avez fait des démarches au niveau des autorités administratives? Non, je ne l'ai jamais fait. Non, je ne l'ai jamais fait. Ça demande beaucoup de moyens. Parce que vous savez, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que ceux qui sont à côté de l'État, ils sont mal informés. Les jeunes Sénégalais n'ont pas besoin de sortir. On a tout ici. Tout. On a tout. Il suffit d'un peu d'aide seulement, il est parti. Je vous donne un exemple. Le fumier qu'on produit ici, les vaches, le fumier qu'on produit, imaginez-vous, depuis 1986 jusqu'à 2021, nous, on n'a pas là où mettre le fumier. On prend le fumier, on va vers Diamniadio, on regarde un champ, on met là-bas. Même si on met dans les sacs, on appelle les gens pour venir prendre, ils ne viennent pas. Vous voyez dehors, vous voyez des sacs de fumier. C'est 2022 qu'on a eu des gens maintenant qui se sont intéressés au fumier. Mais comment vous voulez un pays comme ça puisse avancer? Mais ça est dans le sac ici, on n'a pas à qui donner. Vous imaginez? C'est pourquoi on ne se fatigue pas. On ne se fatigue pas. On est là, on travaille. Si on gagne notre pain sans faire du mal à quelqu'un, ça nous suffit. Oui, ça nous suffit. Oui. Je vous donne un exemple. Vous voyez la CERAS là. À partir de deux choses. Chaque quartier, au niveau des mairies, que l'État laisse le contrôle de la vente des aliments au niveau des mairies, des agents qui contrôlent ça. Ça, c'est vrai. Deux, au niveau de l'abattage à la CERAS. Mais vous imaginez combien de moutons, combien de chèvres, en sachant qu'on les abat par jour à la CERAS, ils n'ont pas les moyens de détecter. Qu'ils mettent des appareils qu'on dit à tout le monde, tous les importateurs. Si vous amenez des moutons en gestation, elles ne seront pas abattues. Si vous amenez des chèvres en gestation, elles ne seront pas abattues. D'ici 2 ans, le mouton que vous payez ici au Sénégal, à 100 000 francs, vous allez le payer à 40 000 francs ou bien 35 000 francs. Parce qu'il y aura un surnombre. C'est moi qui vous le dis. Mais la maman est abattue. Le petit est abattu. Vous imaginez 1000 bêtes par jour, 1000 cabris, 1000, comment dirais-je, agneaux, 50 ou 60 veaux qui sont abattus avec leur maman, sans contrôle ni rien. Vous voulez que ces pays-là, que l'élevage avance? On ne peut pas avancer. On ne peut pas. On ne peut pas. Si la maman a des problèmes, par exemple, elle ne peut pas aller jusqu'à la fin de la gestation, on peut l'abattre. Mais vous trouverez des animaux qui n'ont aucun problème. On les abat, on prend le petit, on sent, sans niveau. C'est ça, c'est ça. Donc les gens qui sont à côté de l'État, c'est eux qui doivent expliquer ça. Les grands techniciens qui sont au niveau de l'élevage, c'est ça leur rôle. Ce n'est pas pour gérer seulement les médicaments ou bien truc. Il faut gérer le truc, il faut gérer le cheptel. Oui. Mais nous, on ne voit que la consommation. Et on détruit tout en consommant. On ne peut pas avancer, mon frère. Bon, la solution, c'est de former des vétérinaires, des hommes de terrain, des gens qui n'ont pas besoin assez qu'on les corrompe pour tuer un animal qui a un gestation. Ce sont ces hommes-là qu'on a besoin de sur le terrain, dans chaque abattoir. Que l'État le fasse. Ils vont prendre des moutons ici pour aller vendre au Mali. C'est moi qui vous le dis. Oui. C'est vrai. Le Sénégal peut fournir l'Afrique en viande. C'est moi qui vous le dis. Il y a le niveau technique, surtout le niveau technique. Il y a le niveau technique. Allez-y au Mali, allez-y en Mauritanie, allez-y au Niger. Les meilleurs techniciens, c'est les techniciens qui ont été formés ici au Sénégal. Les meilleurs techniciens. Mais le vaccin qu'on produit ici pour les animaux en Afrique, c'est fait ici à Yarak. Le Mali, le vaccin que le Mali utilise pour ces animaux, ou bien la Mauritanie, c'est fait ici à Yarak. C'est fait ici à Yarak. Oui. Et nous, on ne parvient pas à se développer. Quand on ferme le Mali, tout est fermé. Quand on ferme la Mauritanie, tout est fermé. Pourquoi? Mais pourquoi? Non, arrêtons. Arrêtons. Nous vous remercions. Quel est votre dernier mot? On est vraiment content de vous rencontrer. Bon, mon dernier mot, c'est de dire à la jeunesse qu'ils prennent conscience. Ce n'est pas l'État qui peut tout faire. C'est la jeunesse qui peut faire. Et cette jeunesse-là, il faut qu'ils aient une bonne conscience. Le pays-là, l'avenir-là, c'est pour eux. Ceux qui font la politique aujourd'hui, c'est pas pour eux. C'est eux qui sont en bas, c'est pour eux.